Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Lobotka. Ouais, la passe là qui est interceptée. Bonne pression défensive, le ballon sort. C'est bien parti. Oh, attention. Et oui, c'est dedans. Quelle domination, quelle facilité. Oh là là, la rencontre bascule nettement en leur faveur avec ce nouveau but. Ce n'est pas évident quand tu arrives en fin des courses de conserver toute ta lucidité. Il faut arriver à faire la petite pause qui va te donner un peu de clairvoyance dans le dernier geste. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Bien parti dans le dos. Et oui, le but! Voilà le troisième pour le hat-trick! C'est incroyable! La protection de la balle, l'enchaînement, la conclusion. Moi, c'est une œuvre d'art, ce but! Ouais, le match qui reprend et donc le Real qui est largement au-dessus, 3 buts d'écart. Oui, ce ballon est intercepté. La bonne percée, il faut aller provoquer. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Et avec ce but, le score est sévère, 4-0. Ouais, bonne intervention du gardien. Ouh là, et le ballon qui passe assez loin de la cage quand même. Cadrer le ballon plutôt que de jouer en force, c'était la bonne idée, mais il faut s'appliquer. Très bonne intervention, sans faute. Un ballon récupéré. Et bon ballon là, donné dans l'espace. Oui, très bon timing sur cette passe. Ça tape la barre et ça revient. Ça partait bien, mais ça s'arrête là. L'arbitre va bientôt siffler la pause. C'est un recours bien mérité pour l'équipe visiteuse. Leur jeu est parfaitement huilé. On sent que toute la mécanique est fluide. Tout le monde sait ce qu'il doit faire avec le ballon et sans le ballon. J'espère qu'on aura le même spectacle en deuxième mi-temps. Ah, il y a une déviation et ça sort en corner selon l'arbitre. Sur les images de la goal line, on voit donc que le ballon n'a pas franchi la ligne. Un petit peu de champ dans l'axe. Le tir. Un ballon sur la transversale. Attention. Il y a du soutien là pour attaquer. Ouh, le ballon est venu flirter avec la barre.
L'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire et pour l'instant tout va bien. Les voilà virtuellement en tête du groupe. La qualification acquise, le fait de finir premier, envoie un message fort à tes adversaires et consolide ta confiance. C'est une manière de montrer l'ambition de ton équipe dans cette compétition. Pichichi de la compétition. Et oui, vous avez raison. Ah, c'est bien parti. Et oui, c'est dedans. Quelle domination, quelle facilité. Oh là là, la rencontre bascule nettement en leur faveur. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick, c'est incroyable! La bonne percée, il faut aller provoquer la conclusion peut-être sur ce ballon. Et le but, et ça continue! Incroyable performance offensive, et maintenant ça fait 4... La frappe! Ouais, bonne intervention du gardien. Oula, et le ballon qui passe assez loin de la cage quand même. Cadrer le ballon plutôt que de jouer en force. C'était la bonne idée, mais il faut s'appuyer. Ouh, le ballon est flirté avec la barre. Et voilà, le match qui reprend ici, c'est la deuxième mi-temps avec la belle performance du Real Madrid pour l'instant. Et ça peut être dangereux. Oh, attention! Oh oui! Le petit ballon piqué par-dessus le gardien. C'est magnifique! Quel beau but! On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action et derrière ça va très vite.
Et puis pour conclure, à la tombée, cette magnifique prise de balle, cette petite pichenette qui vient tromper le gardien. Et voilà un match complètement déséquilibré, 5 buts à rien. Le duel pour récupérer la balle. Et l'interception, elle est importante. Et voilà, vous le voyez, c'est juste le temps de vous rappeler qu'on aura le plaisir de vous retrouver pour ce match à venir. Deux équipes très intéressantes. Pour tous les amateurs de football, ça nous promet un match vivant, effervescent même. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Le centre dans la boîte, dans la surface de réparation. Le gardien intercepte sans trop de difficultés. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Olé, belle technique là. Allez, le gardien se couche bien au sol sur l'intervention. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Alexander Arnold, c'est parti. Et ballon intercepté. Ouais, c'est un ballon bien dégagé. Oh, c'est un bon ballon ça. Ce ballon piqué n'atterrit pas au bon endroit. Nous y avons cru, mais quelle vista quand même. Sacrée justesse des pieds. Malheureusement, manque de réussite. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Eddie Felmas. Ouais, le contact sans faute. Dans le dos de la défense là. Le ballon pour Jude Bellingham. Et ça joue pour Tchouaméni. Et ça repasse vers Vinicius. Ah, Vinicius est bien placé. Oh, quelle intervention magnifique. Et un petit rappel, il y aura de la Liga espagnole au programme et à vivre évidemment ensemble. Le Real Madrid affrontera Grenade. Et oui, quand tu aimes la passion, l'engagement et le football, c'est un match qu'il ne faut pas manquer. Et le ballon perdu par Mendy. Il y a du soutien en attaque. Ferland Mendy à la réception. Ballon pour une frappe, c'est contré mais ça va revenir. Et encore une autre intervention de sa part. Attention Vinicius. Oh là 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 là, et encore un but. On n'arrive même plus à les compter. Ça s'arrête plus, ça tourne à l'humiliation cette histoire. Le poteau qui vient remettre le ballon dans le droit chemin, c'est-à-dire au fond de filet. Quelle démonstration, le score est maintenant de 6 buts à 0. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Voilà, c'est terminé dans ce match. Et donc cette première place va leur permettre d'éviter un autre favori au tour suivant. La sensation est très bonne. Bien parti dans le dos.